Bonjour, aujourd'hui on va faire les samoussas au chou-fleur. Alors vous faites cuire un chou-fleur dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il soit croquant. Ensuite vous pesez 180 g de ma sauce tomate cerise ainsi que 100 g de fond. On va le décongeler au micro-ondes. Pour le chou, savoir s'il est cuit. Faut goûter un gros bout. Puis vous les goûtez, refroidissez sous un jet d'eau froide. Ensuite, vous rajoutez 160 g de moutarde fine et douce dans la sauce. Puis on va couper le chou en petits bouts. Une fois que vous avez 800 g de chou-fleur, vous ajoutez la sauce et vous assaisonnez sel, poivre. Ensuite, avec une balance, vous divisez en 8, car j'ai 8 feuilles de brique. Ensuite, dans une feuille de brique décollée du papier, moi je vais le rouler en espèce de nem, mais vous pouvez faire les triangles. On va commencer par rabattre les deux bords bien perpendiculaires des deux côtés. Puis on roule en écrasant bien pour que ce soit joli. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, dans une poêle antiadhésive, vous faites griller des quatre côtés, en commençant par le côté où on a fermé, sans huile, hein. Puis, une fois grillé d'un côté, vous tournez d'un quart. Voilà, il fallait que je goûte. Le but de cette recette, c'était de donner du peps au chou-fleur. Ça va, c'est bon, bien relevé. Bon appétit!